Vous allez souffrir que nous allons terminer à 12h30. Bokon Dimaliloto Silissa, la 12h30. Parce que nous aurons deux services. Peut-être que vous allez mis ça la. Après moi, il y a le pasteur Kalo de l'église du Christ de Manchester qui va nous parler aussi de la part du Seigneur. Nous allons battre le pasteur Kalo, il y a l'église, il y a Christ de Manchester à côté à Pébisso. Mais sachez que. Oui, ben, madame, vous êtes. Dès demain, Kobanda Mokonadobi, commençons une série de séminaires. Tozali Kobanda Likindo. Avec ce grand homme de Dieu, le pasteur Paul Kalumei qui nous vient de Goa. Je voulais que nous puissions d'abord l'accueillir. Hier, nous avons bien prié sans problème de sonorisation. Fais quand même un effort, mon frère. Nous avons très bien prié à ton absence. On avait une bonne sonorisation avec le même micro. Avant que je ne continue, nous allons nous mettre debout. Dieu a demandé que nous puissions prier pour le frère Victoire. On cherche à la battre. On cherche à le tuer. Je refuse avec lui. Nous allons nous joindre au pasteur. Nous allons annuler ces plans maléfiques du diable. Le diable a préparé qu'il soit lynché. Et qu'il soit tué dans une manifestation publique. Nous allons demander au Seigneur que ce plan échoue. Et il a déjà échoué. Prions le Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'annule ce plan maléfique. Je détruis ce plan du diable. Sécurise le Seigneur. Sécurise le mon Dieu. Oh, race sainte arachée. Oh, Boroshi Tabakai. Sabre Narokonto Boroshika. Au nom de Jésus, j'annule ce plan maléfique. Au nom de Jésus de Nazareth. Nous acclamons le Seigneur et nous continuons. Et ça sera encore très extraordinaire. Je voulais que le prophète et la prophétesse puissent s'avancer et nous allons encore l'accueillir à la manière. La prophétesse va pousser la terre en babangon ici sur la lolengue. Nous les accueillons à la manière des enfants de l'église image de l'éternel. Il y a un babangon à lolengue en bas, l'église à image de l'éternel. Bon, yo kolo bana soyil mengana za interprète. Bon, je suis prêt. Jambo. Tunawasalimia kwa jina la Yesu Kristo. Tunakuwa ndani ya tozana esengo. Juu ya siku ya leo kuona mkolo mwalelo kuona kuko
Matokeo mawili ambayo yameonekana. Je vous ai dit que le dimanche prochain, ils ont prévu pour la semaine prochaine. Et le dimanche, je vais continuer l'interprétariat. Amen. Est-ce qu'on peut toi mettre aujourd'hui, c'est frénésie et pugnacité, deuxième partie. Nous sommes en train de parler du combat spirituel. Bien-aimé dans le Seigneur. Ne pense pas que le fait d'être chrétien suffit pour toi pour être en paix et en sécurité. Le Seigneur déclara que ce combat contre Amalek, c'est un combat pérenne. Si la plupart d'entre nous ont des difficultés, des problèmes, c'est parce qu'ils ont l'habitude de se reposer et de croire que tout est réglé. Avec le diable, ça ne se termine pas comme ça. La Bible dit que sachez que votre ennemi rôde comme un ennemi. Amen, amen. Amen, amen. Il rôde comme ça. C'est pourquoi, lorsque vous voyez, quand nous nous attaquons aux voleurs ici, si vous voyez quelqu'un s'agiter, c'est l'esprit de vol qui est en lui qui l'agite. Alléluia. Amen. Parce que si toi tu ne voles pas, pourquoi tu t'agites? C'est en fait les démons. La bonne nouvelle, c'est que j'ai reçu une grande autorité chez moi. Elle est venue me dire ceci. Godé, moi je vole beaucoup. Mais depuis que je suis tes prédications, quand je vais voler, j'entends ta chanson là résonner dans mes oreilles. Je suis venu te dire que moi, à partir d'aujourd'hui, je ne volerai plus. Amen. Donc, dans un pays où les gens souffrent comme ça, vous nous amenez nos tentes, vous êtes un escroc théologique. La Bible dit que quel est donc ce serviteur fidèle qui sait donner la nourriture au temps convenable, tel que nous prions ici. Si les sorciers te bouffent, c'est que Dieu n'est plus Dieu. Alléluia. Amen. Ne prenez pas Dieu comme l'argent d'une société de gardiennage. Le Dieu que je vous prêche, c'est lui qui dit un seul mot. Et tout arrive. Laisse qu'avant que je ne continue, que beaucoup de choses arrivent dans ta vie. Pas les choses qui font t'affliger, mais les choses qui vont faire ta joie. Je m'en voudrais si je ne vous remerciais pas. Nako, salama be soki na pesimino matondote. Vous qui êtes venus nombreux à ce lieu pour le mariage. Oya ki belé sika opona liba. De notre frère Salomon. Yande kona biso Salomon. Je remercie les pasteurs ainsi que leurs épouses. Na bateli pate longo. Je vous demande de les acclamer. Na sengi na bino obete la bango maboko. Je remercie les chants. Na pesimatondo na baye. Les techniciens. Ba bongisi. Les protocoles. Ba yambi. La sécurité. Ba bateli. Que Dieu vous bénisse. Samba pambo la bino. Et donc, vous devez comprendre que chaque nation a ses combats, chaque famille a ses combats.
Vous allez souffrir, ce n'est pas dans mes habitudes de l'église. Mais je préfère vous le dire aujourd'hui. Moi, je ne suis pas un prédicateur ordinaire. Je ne dis pas que je dépasse les autres. Mais je ne suis pas devenu pasteur parce que Dieu m'a parlé seulement. Je me suis formé. Pourquoi? Même na Bandako, ceux qui m'écolonnent, c'est ça qu'un pondu, l'église est comme le col à Bandoki. Je vous dis, aucun sorcier n'est plus puissant que notre Dieu. Laisse-la partir d'aujourd'hui. Que mon Dieu vous donne de la supériorité sur les sorciers et les magiciens. Abat les volets. Bon, il ne faut pas jouer avec les pays comme ça. En fait, Dieu, ce n'est pas ce que vous présentez là. Ce sont des aventures. Lorsque vous allez en Amérique du Sud, il y a la théologie de la libération qui a précipité l'émergence du Brésil comme puissance économique. L'église n'est pas un endroit où on vient de parler de Jean-Charles. L'église, c'était lié de grandeur par excellence. Il a été dit à Abraham que je rendrai ton nom grand. Mais on ne peut pas donner de la grandeur aux hommes dans un pays petit. Ceux qui volent l'argent de l'État, ce sont des petites gens. Ce sont des petits messieurs. Ce sont des petites dames. Et je vous dis, le pauvre, que celui qui n'a que l'argent. Au-delà de l'argent, tu dois avoir autre chose. Tu dois avoir ton argent avec dignité. Donc vous voulez que nous, on puisse faire des blagues avec nous. Moi, je suis venu préparer l'église à l'enlèvement. Vous êtes en train de cajoler ces bandits pour quelle raison? Les cajoler pourquoi? Le Seigneur, quand il prêchait la parole, il traitait les gens de race de vipères. Pourquoi vous avez perdu? Pourquoi vous avez peur d'eux? Je rentre dans ce qu'on est en train de dire. L'acharnement. Balobi, acharnement. Les réclamations. Les esprits de réclamation, on ne joue pas avec eux. C'est pourquoi Job dit que la vie d'un homme sur la terre, c'est la vie d'un soldat. Tu es en guerre permanente. Tu ne peux pas vivre comme tout le monde. Tu devais savoir que le diable te cherche à jamais. Alléluia. Amen. Nous n'aurons pas peur de ces brigands. Ils iront en enfer s'ils ne convertissent pas. Les enfants du diable. Amen, amen. Amen. Le Seigneur revient bientôt. Je n'ai pas le temps de flatter les gens. Et je vous dis, si vous avez volé l'argent de l'État, n'amenez pas votre offrande dans cette église. N'amenez pas une église à orte. Cette église n'a pas été rachetée par l'or et les diamants. L'église a été rachetée par le sang de Jésus. Alléluia. On amène au Seigneur des offrandes pures. L'église, ce n'est pas un endroit où on emporte n'importe quoi. Et c'est l'une des esprits de réclamation. Lorsque vous lisez Daniel 12, premier verset, vous allez voir que chaque état a un ange qui les guide. Comme nous avons
comme nous avons des services, je vais citer seulement les versets de mémoire. Parce que si on se met à les lire, on va déborder. Et vous irez lire ça à la maison. Donc lorsque vous lisez Daniel 12, premier verset, vous allez voir que Israël avait un ange. Et donc tous les états qui n'ont pas des, qui n'ont pas un ange, ces états sont contrôlé par de mauvais esprits. C'est pourquoi lorsque Daniel priait, on dit que sa bénédiction a été bloquée par le roi de Perse. Non, ce n'était pas le roi. C'était le roi mystique de Perse. Est-ce que nous nous comprenons bien? Alors, si tu es ici, ce que Zali a, bien étant où il y a ce genre de choses, Nangonga o makambalolengo ezali, vous n'irez pas de l'avant. Oko kendali bosote. Bisoto sala ka bango bayibaka. Que nous, on fasse le travail qu'ils viennent voler après. Non. Té. Non. Té. La parole de Dieu doit être prêchée à temps et à contre-temps. Et tout le monde sait que je suis dans ça depuis mon bout. Je n'aurai peur, je respecterai tout le monde. Mais je n'aurai peur de qu'un brigand. Ceux qui tuent les gens sont là. Vous nous distrayez avec ma tante. Papa. Même si tata moi si t'as livré dans la sorcellerie, on va lui poser la question. Tes enfants, où sont-ils? Vous pensez que les sorciers sont sans intelligence? Ils ne bouffent pas les gens. Mais il y a eu Moko Bazali. On va lui poser la question. Tes à partir y a les lots. À partir d'aujourd'hui. Je refuse avec toi. Amen. Vous m'énervez. N'allez bien partir y a eu. Je disais. Je suis en train de refuser. Même ceux qui t'attendent, même si ton père t'avait livré. À quel ayoté? Il t'a pas créé. N'aboyinayo. Je refuse avec toi. Celui qui va te bouffer, il n'existe pas. Amen. Chers frères et sœurs, il a des réclamations. Réclame les états, mais réclame aussi les hommes. Là, je parle de l'homme avec grand H. Ne pense pas parce que tu as été béni aujourd'hui que la bataille s'est arrêtée. Ne pense pas parce que tu t'es marié que la bataille s'est arrêtée. Ne pense pas parce qu'on t'a doté que la bataille s'est arrêtée. Moi, je connais des mariages qui ont été annulés à 24 heures de la célébration. Je n'ai jamais oublié. Je dédie cette prédication à mon ami Derez Mémoire, le pasteur Blaise Toko, avec qui on a engueulé ses enfants de voleurs depuis une vingtaine d'années. Ils volent comme leurs parents. Vous devez changer. Vous devez changer. Comme il n'y a personne pour vous dire ça, je vous l'ai dit ouvertement. Vous devez changer. Si vous ne changez pas, que Dieu vous tue. Je n'ai jamais oublié cette histoire. Un jour, on allait à la clinique Ngaliema, invité par un malade pour que nous puissions prier. Pendant que nous en prions, nous avons une vie, une belle fille. En sanglots. En train de pleurer, en train de brailler, en train de brailler. Quand elle nous a vu, la fille a couru. Elle s'est mise à genoux. Elle dit: mes pères, qu'est-ce que je fais à Dieu? Nous lui avons posé la question. Qu'est-ce qui ne va pas? Nini. La fille va nous dire que le mariage, c'est pour demain. Mais mon fiancé a fait une petite crise. Fiancé, nous l'avons amené ici. On nous dit qu'il est déjà mort. Le corps est là, en train d'être amené à la mort. Quand le
les esprits te réclament, il faut les tuer. Si tu ne les tues pas, tu diras nulle part d'accord. J'espère que souvent ce verset, beaucoup de gens ne l'ont pas encore lu. Beaucoup de gens ne savent pas que, à part la maladie, les pharisiens avaient cherché à tuer Lazare pour la deuxième fois. Est-ce que vous avez bien suivi la lecture? Vous avez bien suivi? Amen. Le Lazare l'a ressuscité de manière miraculeuse. Il va se retrouver au centre d'un nouveau complot. C'est pourquoi tes ennemis doivent mourir. Lazare ressuscité. Tout le monde content. Célébrant Dieu. Les pharisiens vont réunir les gens pour dire que maintenant, comme les gens nous fuient à cause de Lazare, tuons Lazare. Tel que tu es là, ton Lazare qui était ressuscité là, il y a une nouvelle réunion. Dans cette réunion-là, on cherche à tuer encore. Tu as vu, à un certain moment, tes affaires étaient sorties de la misère. Alléluia. Amen. Tu évoluais déjà bien. Tu prospérais. Mais à un certain moment, break. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Il y a des esprits derrière. Et les esprits de réclamation ne partent pas comme les esprits de fièvre et de typhoïde. Alléluia. Amen. Et demandez aux neuropsychiatres. Ils savent qu'il existe ce qu'on appelle des maladies psychosomatiques. Et docteur Isaac est là. Docteur Isaac Azali. Mais docteur Isaac Alobaki na frère roi lobi. Que je vous dise ce que le docteur Isaac a dit au frère roi hier. Alors que ma petite roi bazo et la mabala pour mon capacité ngai chaque jour. Bonjour, qu'est-ce que la pédiatrie? Je vais aller à maman et maman à la pédiatrie. Parce qu'il est distrait. Docteur Isaac. Toutes ces femmes-là qui l'appellent. J'ai mal au ventre, docteur Isaac. Que je prenne quoi? Balamogo ordonnance. Directement l'ordonnance. Streptomycine. Nivan économomycine. Valiololomycine. Ça termine toujours par signe. Donc, tu as un bien été. Toi, tu as vidéo, tout le monde en a quoi? Hein? Bonjour, mon ami. Chers frères et sœurs, je vous dis Bandeko, que quand les esprits de réclamation te pourchassent, tu dois faire très attention. Ce n'est pas pour rien que Dieu avait sacrifié toute l'armée égyptienne, parce qu'il voulait la paix de son peuple. Et ce n'est pas n'importe qui peut fendre la mer en deux parties. C'est pourquoi, même si nous sommes tous pasteurs, nous n'avons pas les mêmes rangs devant Dieu. C'est ainsi qu'un jour Jésus était sur la montagne avec les colonne de l'église. On amena un enfant malade. L'apôtre Thomas incapable. Thomas Philippe incapable. Philippe Azaki Makoki Akosalate.
Donc il y a des choses que tout le monde ne peut pas faire dans l'église. C'est pourquoi je suis là pour traquer ces enfants de voleurs. Ils n'auront pas de paix. Cette autorité m'a dit que chaque fois que je veux voler, j'entends Moïse Nanyoka et je ne veux plus. Quand j'écoute ta chanson là, je ne fais rien au hasard dans ma vie. Aujourd'hui tous tels que vous êtes là. Vous m'avez Le malheur de ceux qui se réveillent très tôt, c'est de n'avoir comme interlocuteur que les oiseaux. Un leader qu'on comprend tout de suite, ce n'est pas un leader. Le leader, c'est un mystère. Il a la faculté de distanciation. Il comprend ce que les gens ne comprennent pas. Vous vous souvenez de la bataille que j'ai menée dans ce pays contre la TVA? 10 ans après, ils viennent de revenir à ce que j'avais. Ils sont en réunion. Et maintenant, ils disent non. Godet avait raison. La TVA de 16%, tout l'économie. Pendant que je parle là, comme modulé, ma commune a 8 au TVA social. Et nous avons dit ça depuis 2010. Ce n'est pas à nous de changer. Ça est de changer. Si tu aimes la science, la science t'aimera. Est-ce qu'en disant cela, j'ai dit que je suis plus intelligent que les autres? Non. Quand tu es dans les bons, avance. Bien-aimé, Lazare a réclamé. Je n'ai pas fini l'histoire de ça. Donc, le mariage, c'était le lendemain. On avait déjà tout acheté. Et les fiancés étaient morts. Tellement que ça nous avait fait mal. Nous nous sommes dit avec le pasteur Blaise, on dit on va prier pour ces morts-là. Quand nous avançons, le Seigneur nous dit qu'il n'entre pas dans ce combat-là. Ma sœur, même quand tu es pasteur, si tu n'as pas encore détruit les esprits de réclamation, tu seras plus païen que le diable. La Bible dit que ceux qui appartiennent à Christ, ils ont déjà réussi à détruire la chair et son sentiment. Donc la chair que tu dois détruire, ce n'est pas seulement sa chair à toi, toute chair qui te combat. C'est quoi que je vous ai donné le verset la fois passée? Luc 19, verset 27. Un homme était déjà investi roi. Et ça, je voulais qu'on nous le réalise parce que j'ai besoin de votre délivrance. Luc 19, verset 27. L'homme qui parlait là, il était déjà investi roi dans un pays étranger. Donc, le pays où il a été investi roi était un pays qui avait 6 priorités sur les lèvres. Mais quand il rentre, les gens refusent. Parmi nous ici, il y a des gens qui ont déjà été bénis par Dieu. Mais il y a des esprits qui s'opposent. Aujourd'hui, ces esprits et leurs maîtres seront avalés dans le sang du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc si tu es distrait, le diable se jouera de toi. Peuple de Dieu, réveillez-vous. Comment vous vivez votre vie? Vous avancez ou bien vous reculez? Ça fait 30 ans, ça fait 20 ans que vous êtes dans la foi. Est-ce que vous évoluez ou pas? Dès que vous achetez un véhicule, deux mois après, c'est trois accidents qui s'ensuivent. L'argent que tu vas dépenser pour réparer les véhicules et enterrer les morts 10 fois.
plus que ce qui t'avait dépensé pour acheter le vélo. Et après, ils disent que sa volonté de Dieu soit faite. Non. Dieu a des volontés parfaites et permissives. La volonté permissive de Dieu, nous pouvons la changer. Allons-y. Luc 19, le verset 27. Au reste, amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux et tuez-les hors ma présence. Donc, est-ce que vous avez bien suivi la lecture? Donc, le roi là, il dit que vous devez les tuer à ma présence. C'est-à-dire que je dois m'assurer qu'ils sont partis. Tant qu'ils ne sont pas encore morts, je dois continuer à les attaquer. C'est pourquoi les armes qui nous ont été données par Dieu ne sont pas que défensives. Ces armes-là sont également offensives. Nous ne sommes pas là que pour nous défendre, mais nous pouvons aussi attaquer les diables. Amen. Comment? Et vous savez, au Congo, les gens ont les kilos. Vous trouvez quelques petits de 6 là qui incitent les gens à la télé. Ça ne va pas la tête, non? Qu'est-ce que tu connais? Il pollue inutilement l'air de Kinshasa. C'est produit de la faveur. C'est produit de la tricherie. C'est produit de la corruption. Mais non! Moi, je ne dis pas que je suis plus intelligent que les autres, mais nous sommes tombés plus bas que terre. Comment vous pouvez être à la télé? Vous suivez quelqu'un dont vous ne connaissez pas le profil. Ailleurs, lorsqu'on vous invite à la télé pour la première fois, vous déclinez votre CV. Et quand vous terminez de parler, la chaîne vous paye. Et t'as de qui qu'on fout au misolo. Chaîne à Joël, les Alika Kassoka Bengisinga et Nassil. Joël, la chaîne de Joël, c'est seulement. En tout cas, quand merci pour le travail à bâti. Merci pour la Moussala. Hein? Na campagne, merci na lobby. Pour la campagne pour hier. Et logo na sepe, n'a pas été en train de faire un peu Adam. Il nous a installé sans chercher à connaître nos goûts. Si tu étais à un endroit que tu n'aimais pas, ce n'est pas moi. Mais comme c'est mon directeur de campagne, vous pouvez le pardonner au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oublions le passé. Embrassons l'avenir. Avec beaucoup d'optimisme. Dieu va faire des grandes choses pour nous dans cette église. Bien-aimé dans le Seigneur, comment fonctionne, comment évolue ta famille, combien de gens ont réussi dans ta famille, comment toi-même tu vis, chaque jour pour manger tu dois réfléchir. J'ai vu un frère qui est venu me voir, il m'a dit, papa, on m'a empoisonné. Je lui ai dit ceci, frère, tu as menti. Avec la pauvreté que tu as, on ne peut pas t'empoisonner. Je lui ai dit, papa, tu es bon enfant. Le poison... ceux qui ont l'argent pour qu'ils meurent. Mais toi, si tu mourais, tu vas nous laisser seulement les dettes. En tout cas, il faut que tu sois là pour gérer toutes tes dettes ici. Amen, amen. Amen, amen. Donc c'est la vie que tu mènes maintenant. Et tu en as fait une vie normale. Tu dis aux gens, nous c'est la parole. Mais c'est la parole qui a créé tout ce que tu vois là.
La francophonie a été créée par la parole. Francophonie est kelama naliloba. Vous allez entendre encore un autre cancre. Dis-vous, écoutez, écoutez, est-ce que la francophonie a été créée par la parole? Mais si tu n'as pas été à l'école en philosophie, na kela cité, na philosophie, n'étudie le métalangage. Ba yeko la kalo lengi akoloba. C'est le style de Paul. Yango izali. C'est le style de Paul. Ezalo lengi na Paulo. Regarde comment tu évolues. Donc, quand il faut qu'on neutralise tes ennemis, toi-même tu dois voir. Les Égyptiens, ils avaient vu comment l'armée pharaonique était avalée par la mer Rouge. Jésus avait vu comment le diable a été livré en spectacle sur la croix. Jusqu'à ce jour, le diable n'accède plus au ciel. Si tu veux aller de l'avant, les démons ne doivent plus accéder dans ta vie. Il y a des démons qu'il faut détruire. Lorsque Dieu nous parle des armes offensives, c'est-à-dire que nous pouvons aussi attaquer. Est-ce que celui qui a bloqué le mariage de tes enfants, que Dieu le tue aujourd'hui au nom de Jésus Christ? L'enfant à la maison, 50 ans. Il a 50 ans. Il veut devenir prêtre. On dit que les prêtres, donc les femmes, tout ça à cause pas, pour cet homme, à cause de cet homme. Est-ce que Mouto est vraiment efface dans la vie? Cet homme doit rester en vie. Quand on parle des armes offensives, c'est que nous pouvons aussi attaquer l'État. C'est pourquoi aujourd'hui, j'attaque tous tes ennemis au nom du Seigneur Jésus. Je déclenche l'opération bombardement spirituel. Lorsque tel que je suis en train de parler, que le trône de Dieu localise la case de tes ennemis. Si tu as un chef qui te complique au travail, je lui envoie l'esprit d'AVC. Chef, ce chef ici n'est même pas intelligent. Son travail, c'est seulement celui qui est quand il a une femme qui n'accepte pas ses nous ne sommes plus à l'ère où on négocie avec le diable. Le diable doit savoir que celui qui est à nous, il est plus que celui qui est dans les bancs. Ma sœur, n'aie plus peur. Tu ne mourras pas. Pendant qu'on était en train de comploter contre Lazare, Lazare était à table avec Jésus. Vous savez ce que ça voulait dire? Tuez-moi encore. Jésus va me ressusciter. Mais on ne va plus te tuer. Parce que tel que tu es là, je t'ai déjà donné le vaccin anti-mort. La Bible déclare que la vie éternelle consiste à ce qu'ils te connaissent, toi le vrai Dieu. Je vous dis, cher frère, il n'y a pas notre Dieu, à part Jésus-Christ, il est capable de changer de l'envers. C'est un Dieu de prolongation. Pendant qu'Ézéchias était déjà condamné à mort, Ézéchias lui accorda la prolongation. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je prolonge ton bonheur. Ton mariage ne va pas se casser maintenant. Tu vas consommer ton mariage. Jusque dans ta vieillesse, si le Seigneur ne vient pas, toi et ton mari, vous marcherez ensemble en train de trembloter. L'homme 119 ans, la femme 10 ans. Moi si 110 ans, mon bali 119. Tu vois, dans le corps il est je voulais te dire que Dieu que je prêche
Il ne regarde pas de la manière des hommes. À partir d'aujourd'hui, j'ai détruit tous les esprits de réclamation qui étaient en train de vous bloquer. À partir d'aujourd'hui, je fais sauter le verrou. Plus de blocage, plus de maladies incurables, plus de misère, plus de célibat. Mon Dieu, c'est un Dieu du renouvellement. Est-ce que ce matin, c'est tout ce qui était déjà devenu vieux dans votre vie, que Dieu le renouvelle. Amen. Vous priez comment? Vous allez comprendre la langue nîmes. Vous priez comment dans votre? Vous bondez la calolengue nîmes. Zambé, sentinelle. Tu penses que Dieu c'est une sentinelle? Sentinelle. Dieu ce n'est pas une sentinelle. Il y a des choses que nous devons faire. Il nous a déjà laisser l'armement lourde. Nous sommes dans Acte 13. L'apôtre Paul est en train de prêcher pour le proconsul. Frère, lorsque tu gagnes un proconsul, tango. C'est des centaines de personnes derrière lui. Lorsque tu gagnes le proconsul, c'est le bonheur pour la nation. Si moi je m'attaque au voleur et je ne cesserai pas de le faire, je vous préviens, c'est pour le bonheur de la RDC. Si nous avons des gens qui ne volent pas dans le prochain gouvernement, cette année même, on aura un budget de 40 milliards de dollars. Vous allez voir l'incidence de prédication de Golden Point sur la nation avec 40 milliards de dollars. Il n'y aura pas d'arriéré de salaire. On va augmenter les salaires des fonctionnaires et de l'enseignant. Les enfants de l'enseignant auront des jours. Qu'il y a de ces familles-là. Montrez-moi les jours. Même moi, n'ai pas bijouté. Vous demandez aux enfants, montre-moi. Parce que moi, na koli, même l'enfant, akuti papa boy. L'enfant, pendant qu'il a grandi, il a trouvé que son père n'avait même pas de joues. Il est pas koli. Lui, il grandit. Akomi boy. Il n'en a même pas. Lokola batanga kana école moko. Comme ils étudient dans une école na bango ya batu ya. Leur école des gens qui n'ont pas de joues. C'est à cause de ces voleurs. Les apprenants na mibio. Moi, je sauve la RDC. Nazali kopi ki sande. Je veux sauver la République. Na kopi ki sande. Ces voleurs, mibio, vont fuir ce pays. Bakoki mamboka oy. Ils vont fuir ce pays. Bango bakoki mamboka. Ah, tu que tes moutons soient zoyi bongo l'État. Tous ceux qui veulent l'argent de l'État. Soit pas zoyi le Kananzela. S'il passe. Frère à Transco et s'il part que le Transco. Je dis ceci. Tous celui qui a volé l'argent de l'État. Quelqu'un m'a dit ceci. Même si tu as volé depuis longtemps, je lui ai dit, vends tes parcelles. Si tu as volé l'argent de l'État, pour que Dieu te pardonne, il faut retourner. Zachez avait retourné ce qu'il avait volé. Celui qui ne va pas retourner l'argent volé, il pose un transco dans son parcours. Celui qui ne va pas retourner, il croise. Parce que ce qui est le 207, on va arrêter cette personne-là. Le Transco, c'est l'État. L'État, l'État, on n'emprisonne pas l'État. Le Transco, qu'il te cogne. Quand le Transco va tamponner son corps, perdre connaissance. Qu'il perde connaissance. Qu'on ne l'amène pas dans un hôpital. Qu'on l'amène à l'hôpital de Kitambo. Pendant qu'il sera là, qu'il trouve que le médecin. Parce que Bazan a arriéré. Quand il va mourir, il sera prêché. Avant qu'il ne meure, un médecin retraité à quartier. Qu'on cherche un médecin retraité du quartier. Qu'il vienne. Atala, qu'il regarde. Qu'il dit ceci. Si vous êtes avant avec lui, j'allais le sauver. Comme ça qu'il voit tout le mal qu'il est en train de faire. Hôpital, quand tu vois l'argent de l'État, l'hôpital. Yo,
okosala accident pembeni na mama yemte kuna kisezali yo ya yo accident zaka na kitambo. Toi l'accident c'est seulement kitambo. Ba memi yo na salle d'op. On t'amène dans la salle d'opération. Omoni nyao. Tu vois un chat. Na puku. Avec une bazo discuter na salle d'op. Pourquoi telemi nyao zo sala nyao. Pourquoi zo le bagne c'est sous une. Ces gens qui volent le bien de l'État, ils doivent mourir. Et Sengali Bango Nyon Soba Koufa. Les sorciers, il faut qu'ils meurent tous. Ces gens sont inutiles à la société. Ce sont les esprits de blocage pour la RDC. Ils sont RDC Fouloukate. Il y a des gens, tant qu'ils seront en vie, tu ne seras pas content. Jésus a dit abandonner sa famille à cause d'Hérode. Je vous pose la question, mes frères. Vous, les hommes spirituels, le jour où la maman de Jésus a appris qu'Hérode était mort, d'après vous, sentiment et maman n'est pas là. Vous pensez qu'elle avait quel sentiment? D'après vous, hein? Maman Marie jour là, maman Marie ce jour-là, qu'est-ce qu'elle avait ressenti? Parce que vous voyez comme tout oh pasteur, il y a un pasteur qui veut que les gens meurent. Et le Ronin Bozo Salawa par Mouibi. Qu'est-ce que vous faites ici à part le vol Bokenda? Batomala Moubakei. Les gens bien sont partis. Yachichi Akei. Yachichi est parti. Mouze Akei. Mouze est parti. Lumumbe Akei. Lumumba est parti. Bawa Balingo Kendete. Mais ceux-ci ne veulent pas partir. Je vous envoie par force. Seigneur, ne serait-il pas possible de nous retourner, Colo, Papa Chichi? Mouze Laurent Désiré Kabila. Et Papa Lumumba. Na Papa Lumumba. Pour qu'il soit nos conseillers. Pour être bango bazala ba pesitoli na biso. Oyo tiki muyibi na muyibi. Ceux qui sont restés, muyibi. Ils ne font que non, voler. Il n'a pas encore commencé le travail. Il va acheter une parcelle, sorcier. Doki. Sorcier, tu mourras dans peu de temps. Bien aimé, Balingami, ces esprits de réclamation, quand ça bloque un état, tant que mboka, vous allez souffrir. Les Philistins étaient habités par l'esprit de réclamation et envers les Juifs. Yango, la Bible dit que les Juifs furent malheureux chaque fois qu'ils s'aimaient. Les Philistins venaient, ils prennent. Philistins venaient, ils prennent. Ne serait-il pas ton cas ce matin? Comment a évolué ta famille? Quel est le sort de tes enfants? Qui t'a dit que tes enfants ne peuvent pas se marier? Il y a quelque chose de bien. Cette chose-là, nous allons la détruire. La Bible dit, je veux que tu prospères à tous égards. Et que tu sois en bonne santé. Ça c'est Dieu. Mais pourquoi tu ne vis pas cela dans ta vie? Change ta façon de prier. Ta prière. Dieu protège mes ennemis. Qu'ils voient comment tu vas me bénir. Même s'ils voient, ils ne vont même pas accepter. Ils ne vont pas croire. Eux, ils vont ajouter encore d'autres problèmes. Mes ennemis à moi. Partez directement en Benseke. Quand vous enterrez là-bas, vous allez apprendre la nouvelle de ceux qui vont mourir après vous. Dieu a béni des gens au Congo. Laisse que ce matin, vous tous qui êtes venus et qui étaient malmenés par les esprits de réclamation, vous avez tous droit au bonheur. Vous avez tous droit au bonheur. Vous savez, on peut tout dire. L'avantage de vivre en Europe, c'est qu'on a les mêmes opportunités. Nous avons les mêmes opportunités. Si ce n'est pas peut-être dans les mêmes proportions, ce qui Ezali n'était ni mon côté, mais on ne peut pas trop se plaindre. Parce que chacun peut s'acheter une maison, même à crédit.
Chacun peut s'acheter une voiture. Mais pourquoi toi tu dois vivre comme ça? Comme si on était dans un parc animalier. Il y a un complot contre toi. Pendant que tu manges là, les principaux sont en réunion. Ils veulent encore tuer Lazare pour la deuxième fois. Je voulais te dire, tu as déjà connu tous les malheurs de ta vie. Aucun autre malheur ne t'atteindra au nom du Seigneur Jésus-Christ. Aucun autre malheur ne t'arrivera au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu n'as fait que souffrir pendant toute ta vie. Lazare était déjà mort, enterré, pleuré. Il a été même détruit par le fourmi blanc. Pendant qu'on était en train de comploter contre lui, il était à la table avec le Seigneur. Laisse qu'aujourd'hui, que le Seigneur puisse te permettre d'être autour d'une grande table. Là où se prennent les grandes décisions. Là où se distribue beaucoup d'argent. À partir d'aujourd'hui, ta position n'est plus au cimetière. Dieu ne t'a plus seulement ressuscité, mais il permettra afin que tu puisses vivre avec lui autour de toi. À partir d'aujourd'hui, ton étalage du marché va changer. Tu n'auras plus le même étalage. Tu n'auras plus la même boutique. Nous sommes maintenant de rentrer dans la grandeur qui nous a été promise. Mais pour y parvenir, nous devons engager un combat contre les gars. Dans ce combat-là, on ne fait pas seulement la défensive, il faut attaquer. C'est pourquoi la Bible dit, nous avons des armes défensives et des armes offensives. Chaque fois, pourquoi Israël avait perdu devant Goliath? Il ne faisait que reculer. Plus vous reculez, plus on vous prend de l'espace. Quand ils avancent, avancez aussi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'avance vers le diable. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je n'avance pas seul. J'avance comme le roi David. Non seulement que j'ai la parole, mais dans ma gibecière, j'ai 5 pierres. Ces pierres-là, je vais les envoyer à des endroits stratégiques. Lorsque tel que je suis en train de parler, que la bombe de l'Éternel frappe la cœur de tous les sorciers qui compliquent la vie de tes enfants. Amen. Si vous maîtrisez vos ennemis, vous allez maîtriser votre avenir. C'est ce que je voulais vous dire. Ne dormez pas. Ne soyez pas distrait. Faites victoire. Nous avons prié pour toi. Dieu t'a sauvé. Mais il m'a demandé de te dire que tu as une faible vie de prière. Je suis désolé de te le dire devant les gens. Je prierai toujours pour toi. La Bible pour clôturer. Elle dit ceci, et le Bible. Veillez. Et prier. Car votre ennemi, le diable est en vadrouille. Et il fait la patrouille. S'il t'attrape, il va te mordre. Mais malheureusement pour lui, Lazare ne pouvait plus mourir de la même manière. Tous ceux qui ont été déjà tués ne mourront plus pour la deuxième fois de la même manière. C'est pourquoi la Bible dit, quand il a déjà détruit la chair et ses désirs, il devient une autre personne. C'est pourquoi à la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'on voulait le toucher, il refusa. Comme tu es mort et ressuscité avec Jésus, j'interdis à quiconque de te toucher. J'interdis à quiconque de toucher tes enfants. J'interdis à quiconque de toucher ton mari. Toute fille qui cherchera à sortir avec ton mari, elle va attraper de l'épilepsie au nom du Seigneur Jésus. Tout homme qui cherchera à sortir avec ta femme, il va passer la folie le même jour dans la même chambre à l'instant, pour que le monde sache que Jésus-Christ est le roi des rois. Je voulais vous dire, frères et sœurs, aucune force, aucune puissance ne peut résister devant Jésus-Christ, le peuple de Galilée. Aujourd'hui, je vous rappelle ce verset qui dit que car Christ a paru pour
pour détruire toutes les œuvres du diable. Les œuvres du diable, il n'y a pas que des péchés. Les malédictions font partie des œuvres du diable. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, c'est le jour de la destruction et la reconstruction. J'ai détruit ce que le diable avait planté et je vais pousser. Ce que Dieu vient de me donner, c'est la Bible dit détruisez ce temple, mais je vais le rebâtir trois jours après. Aujourd'hui, je suis venu reprendre une nouvelle histoire avec toi. Aujourd'hui, je suis venu écrire une autre part de l'histoire de ta vie. On savait que tu étais malheureux, mais aujourd'hui, tu ne vas pas rentrer malheureux, tu vas rentrer avec bonheur. Jésus-Christ est le même Jésus-Christ hier, aujourd'hui et éternellement. C'est lui qui avait protégé Lazare, c'est celui que je vous prêche maintenant. Malgré le complot, il vous protégera à jamais. À partir d'aujourd'hui, marchez sous la protection de Dieu, car il est écrit qu'il ne permettra pas que vous pierre puisse être contre une pierre. À partir d'aujourd'hui, pas de mambakou au nom du Seigneur. J'ai un Dieu à vous présenter. J'ai un Dieu à vous présenter. C'est Dieu là. Il a une main. Amen. Vous ne me comprenez pas. Les dieux là, que je suis venu vous présenter, il a une main. Mais la main de Dieu est différente de la main de Godé. La main de Godé est courte. La main de Dieu est élastique. Parce que quel que soit l'endroit où tu te trouves, pendant que je suis en train de parler, que la main de mon Dieu te touche. Si tu étais en train de pleurer, que la main de Dieu commence. Laisse que ce matin, que tout ce qui était venu en pleurant rentre en liesse, en train de bénir Dieu. Parce que pendant que je suis en train de parler, les maladies vous quittent, les malédictions vous quittent, l'esprit de mort vous quitte. Pendant que je suis en train de parler, je suis en train de vous communiquer une nouvelle vie. Désormais, les choses anciennes sont passées. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Tu étais habitué à de mauvaises nouvelles. Ça c'est du passé. À partir d'aujourd'hui, dès demain, jusqu'à l'infini, ce sont des moments de bonnes nouvelles. Tu vas apprendre des nouvelles. Ton fils qui était en Angola, il va t'appeler à partir de Washington. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Ton fils, ton frère, qui était en Angola, vous croyez qu'il est là en train de souffrir? Il va vous appeler la semaine qui commence ici, à partir de Washington. Il vous dira qu'il a reçu au concours et qu'il a été recruté par la Banque mondiale. Le Dieu de l'Église, image de l'Éternel, ce n'est pas un Dieu de cacahuètes et de bébé, c'est un Dieu de grandes choses. Lorsque tel que je suis en train de parler, que les grandes choses se manifestent dans votre vie. Dieu est contre la petitesse. Dieu est contre la petitesse. C'est pourquoi le nom d'Abraham au départ c'était Abraham. Mais Dieu, pour rendre le nom d'Abraham grand, il ajouta une lettre. À partir d'aujourd'hui, Dieu ajoute une grâce supplémentaire par rapport à... Mais vous ne me comprenez pas. Je vous dis, c'est mon Dieu à moi. Il est contre la petitesse. Il aime la grandeur. Pour rendre le nom d'Abraham, il ajouta une lettre. À partir d'aujourd'hui, moi, j'ajoute aussi une lettre à ta vie. Mais la lettre que j'ajoute, ce n'est pas une simple lettre alphabétique. J'ai une lettre qui t'a été envoyée.
cette lettre là, c'est ce qu'on appelle la Bible. Dans la Bible, il est écrit Christ en moi, l'espérance de la gloire. Avant que je termine, qu'est-ce que la gloire entre dans ta maison? La gloire va toucher ton père. La gloire va toucher ta mère. La gloire va toucher tes enfants. Je suis en train de déployer une gloire tentaculaire dans cette église. Ne tiens pas compte de ce qui était avant. Avant de rencontrer Dieu, le nom d'Abraham était petit. Mais quand il rencontra Dieu, son nom devint grand. Aujourd'hui, Dieu est au milieu des hommes. Je n'ai pas besoin d'une prophétie pour le dire. La Bible déclare, là où Dieu, ou toi, chante assemblée, en mon nom, je serai au milieu des hommes. Il est au milieu de nous aujourd'hui. Il est en train de modifier le nom des gens. On t'appelait pauvre. Dieu t'appelle riche. On t'appelle malade. Dieu t'appelle bonne santé. On t'appelle chômeur. Dieu t'appelle patron. On t'appelle célibataire. Dieu t'appelle marié. Amen. Nien, nien. Nien, nien. Nien, nien. Bomba, bomba. Abbé. Bomba, bomba. Mabé. Na loba. Loba. Na sakola. Sakola. Na panza. Panza. Na pambola bino. Pambola. Na sanola ni imie. Sanola. Il est le même. Azalo lengemo. Hier, lobi. Aujourd'hui, le lo. Éternellement, libéla na libéla. Le Lazare du cimetière, Lazalo en ce n'est pas celui qui est autour d'une même table de Jésus. Le lengemo qu'on a Lazare c'est qui? Le Lazare qu'on avait tué. Lazalo babo. Ce n'est plus l'actuel Lazare. Azali Lazalo a cicatrisé. Celui qui était humilié là. Il y a yo qui s'est maquis sonné. Azali Ote. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Celui qui était pauvre. Wazaki Mobola. Celui qui était malade. Wazaki Nabokono. Ce n'est plus toi. Ezali Olisusute. Nous vous parlons des dieux que nous connaissons. Je ne veux pas citer le nom de Jésus. Je connais un homme. Sur cette ville. Il avait beaucoup d'argent. Wazaki Nabokono. Sa famille vivait à Londres. Libotali Zekopika à Londres. Après consultation, on trouva que son fils avait une tache dans la tête. C'est pourquoi j'aime parler de Jésus à ce brigand, na voleur, impudique, menteur, calomniateur, jaloux, bafitol. J'aime parler de Jésus à ces gens-là. Il est le même hier. Aujourd'hui. Et éternellement. Mon Dieu à moi. Zambuanga. Il est le maître des horloges. Azali. Et des événements. Il va changer l'histoire de ta vie. J'aime parler de Jésus. Maïa son aka son la même. Maïa son aka son la même. Mais c'est le membre du gouvernement du monde. Mais c'est le parlementaire du monde. Mais c'est le professeur. Mais c'est le savant. Mais c'est le dirigeant des multinationales. J'ai un message pour vous. Jésus-Christ revient bientôt. C'est un Dieu qui fait des choses que personne ne peut faire. On a amené cet enfant à l'hôpital. On a trouvé qu'il y avait une tache dans sa tête. Ton
On a dit on devait l'opérer dans une semaine. La femme dit je dois appeler mon mari à Kinshasa. C'est pourquoi ne suivez pas ces enfants de voleurs. Malédicté qui ne respecte jamais les pasteurs. Aujourd'hui sur cette ville, il y a des pasteurs plus instruits que certains premiers ministres. Apprenez à respecter les gens. Nous faisons un grand travail pour ce pays. Quand les gens ne sont pas payés, c'est nous qui les calmons. Un peu de considération envers les pasteurs. Nous faisons des choses que vous n'avez jamais faites. Bande de voleurs. Il va appeler son mari. Son mari est venu voir les hommes de Dieu. Je ne veux pas citer le nom des gens ici. On a évoqué les dieux d'Israël. C'est du vécu. Moi, je ne suis pas un prédicateur du Dieu de Chinchard. Je suis prédicateur des faiseurs de rois. C'est ça le Dieu de Godempo. Ne me ramenez pas au niveau des balibères. Je suis venu préparer l'église pour rencontrer Dieu. Arrêtez de voler le bien de l'État. Bande de voleurs. On avait invoqué le Dieu du ciel. La semaine prochaine, on devait amener l'enfant dans le même hôpital. Un jour, je vous citerai le nom de celui qui avait fait cela. On amène l'enfant les jours de l'opération. Les professeurs docteurs britanniques, il dit avant l'opération, je dois refaire un autre scanner pour voir comment la tâche a évolué. Je t'ai dit que ta tâche n'évoluera pas. Elle va disparaître au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Au-delà de tout, je suis à la fois prophétique et charismatique. Ne suivez pas cette racaille, cette broutille. Ce groupe de marsupiaux qui ne respectent ni l'État ni les pasteurs. Si on ne respecte pas les pasteurs dans ce pays, si ça continue, nous prendrons nos responsabilités. On va amener. Non, nous avons un Dieu. Je suis frère de chez Jésus là. Mes amis francs-maçons. C'est pour cela que vous ne m'aimez pas. Mais moi je vous aime. Mes amis sorciers. J'ai un Dieu à vous présenter. Il fait ce que la magie ne peut pas faire. Amen. Ce que je vous dis là, c'est canonique, c'est nodal, c'est étayé, c'est objectivé. On amène l'enfant au scanner, aucune tâche. Alors vous savez, les blancs confondent nos visages. Le professeur commence à insulter la dame. Vous les Africains, vous êtes comme ça. Tu amènes un enfant malade. Maintenant tu vas changer l'enfant. Tu amènes celui-ci. Tu n'as aucune maladie. La femme va lui dire que docteur c'est le même enfant. Docteur, moi je suis ressortissant de la République démocratique du Congo. Chez nous, il y a des hommes de Dieu. Après ta consultation, nous avons consulté Dieu. Alléluia. Amen. Je veux parler de la manière claire. Ça c'est ma face B. Même si je ne l'ai pas d'habitude, moi je suis comme ça, clean. Mon petit la JP. Hier je ne t'avais pas reconnu. Quelque chose. Papa, moto ya bimina fête. Na kazaka moko na na moni angote. Mais nous avons vérifié dans le magasin que nous avons ceux qui m'ont rebondi. Aux engagements. Frère, les blancs là, on lui a parlé de Jésus sans Bible. Na Bible à terre.
On lui a dit que c'était le même enfant. Mais quand on avait prié, Dieu avait dit qu'il avait déjà enlevé la tâche. Aujourd'hui, je suis venu enlever toutes les tâches qui étaient dans vos cœurs. Vous avez des cœurs noirs. Tâche. La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ayez le cœur pur. Et ne priez pas pour les gens. Il faut prier pour vous-même. Moi, il n'y a que deux personnes que je crains dans ma vie. Dieu et ma conscience. Le reste, Amendre, Bayuma, Bamaka Sabangoto, Bobo, Bambolo. Entretiens ta relation avec Dieu. Batte la boca ni non anzam. Sois autour d'une même table. Zala pene na mesa moko. Que le Seigneur. Nankolo. Les choses vont changer. Makambo iko bongo lisa. Ces jours-là. Mokolwango. Ces Britanniques païens. Moto. A dit. Mondele. Si il n'y a pas de Dieu. Mopagano. Alobi isoki. En Grande-Bretagne. Banzambe bazaite la Grande-Bretagne. Je reconnais. Nandimi. En République démocratique du Congo, il y a un Dieu. C'est un Dieu de miracles. C'est un Dieu de prouesses. C'est un Dieu de prodiges. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Donc, les gens peuvent penser ce qu'ils pensent contre toi, mais ils ne prendront jamais la place du Seigneur. La Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? À partir d'aujourd'hui, Dieu est pour nous. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et rien ne peut vous nuire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai détruit toutes les forces maléfiques de votre vie. Amen. Il ne faut pas me suivre, moi, quand je parle, je ne regarde pas l'horloge. Je sais que dans une certaine mesure... Dans sa nouvelle édition, Eshima Magazine met en lumière le travail réalisé par le ministre d'État au budget, Aimé Boji Sangara. Dans ses colonnes, le mensuel congolais revient sur le bilan de ce membre du gouvernement, Sama Lukonde 1 et 2, mais également sur son parcours et ses actions sociales réalisées principalement dans la province du Sud Kivu. À la une, élaboration des budgets 2022-2023, Aimé Boji aligne des chiffres historiques avec le rôle crucial que joue son ministère, c'est lui d'assurer la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière budgétaire. Aimé Boji Sangara a mis toutes les batteries en marche pour améliorer les prévisions budgétaires et la qualité de la dépense publique tout en respectant le délai constitutionnel du dépôt des projets de loi des finances au Parlement. Sur le deux exercices budgétaires, Aimé Boji a réussi à élaborer à temps les projets de loi des finances pour les exercices 2022 et 2023, ce qui avait permis au Premier ministre de les déposer dans le délai constitutionnel. Un travail qui a fait que le gouvernement aligne des chiffres historiques comme 16,8 milliards de dollars de budget en 2023 après son examen au Parlement. Au-delà de ses performances au sein du gouvernement, Aimé Boji se consacre à plusieurs actions sociales dans la province du Sud Kivu, son terroir. Le dynamisme d'Aimé Boji témoigne de la vie des observateurs, de son engagement indéfectible en faveur du développement socio-économique du Sud Kivu. Autre titre à découvrir, mobilisation de recettes en 2023. DGI, Barnabé Mouakadi multiplie les stratégies pour atteindre les assignations fixées par le gouvernement à sa régie. Code numérique promulgué, la RDC a réglementé sa toile. Découvrez également un entretien exclusif avec Florimond Mouteba, président du conseil d'administration de l'Observatoire de la dépense publique ODEP, et plusieurs articles économiques internationaux documentés et instructifs dans les pages d'Eshima. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.